Compatriotes haïtiens frères chum, m'espérer en forme à Kembe. Jeudi, c'est mardi 12 novembre 2024. Comme d'habitude, c'est toujours un plaisir pour nous là avec vous, pour nous porter information pour vous. Politique en Haïti, chaque jour pi plus, n'a fait constat yo. Faut qu'on ait green pour faire politique pas bon ici. Faut qu'on aime pays pour faire politique pas bon ici. Faut qu'on ait conviction pour faire bon politique pas bon ici. Parce que terrain politique là, li piégé. Après 6 mois, Gary Conille, yo révoqué le conseil présidentiel transition. Yo révoqué le, yo mette yon nouveau premier ministre. Jean Pil Moun Taptani, eh bien, Gary Conille, li pa met point de pied dans l'investiture Alexis Diefizé Meya. Mais sans pour autant, Gary Conille pas montré le son père dans le calcitrant. Gary Conille li parlé à Alice Didier Fizeme, li parlé à nouveau premier ministre. Qui ça, Gary Conille voyait comme message, qui position Conille, nous prenons le bas ou détail. Yon l'autre bord, à peine installé, eh bien, nèg yo commencé à mettre pour fig en bas pied nouveau premier ministre. Matin là, bonheur, bonheur. Dirigeants politiques ont commencé à défiler, nèg yo commencé à caresser tête Alix Didier Fizeme, nèg yo commencé à chouchouter nouveau premier ministre, nèg yo commencé à faire ti demande en bas ou pral gagner des tailles. Mais je ti proverbe créole l'a dit le compatriote Haïtien Frèchem, si on dan pa avant nous de yo pa pachete ou nan dossier politique pa bon ici, ta caille souvent manger pa caille. Nous pral gagner des tailles. Ancien premier ministre Gary Conille, il te parlé, nouveau premier ministre, il parlé, nous gagnons le président CPTA, Leslie Voltaire, qui prend position claire ou clairose. Compatriotes haïtiens frèchem, causez un pile pas bon ici. C'est autant de formations avec un pilote. Nous prenons le partager ensemble avec vous. Déjà, m'a invité ou même qui fait tomber sur le channel, n'a pas hésité à abonner. Activez la cloche de notification comme ça vous pourrez connecté avec nous ou pas rater aucune vidéo de formation n'a pas gagné pour nous poster. N'a commencé l'émission avec caricature si là. Nous connais nous remet caricature nous remet image nous et caricature là lui expliquer tête lui expliquer situation pays lui décrit en si peu de mots. OK, il décrit un peu d'image situation pays hein? Et n'a regardé ça qui est écrit dans caricature là, il a fait des ordres, n'a enjoy. Accochiré, accordé patcha en miette morso, opposition en bois sous table, a demandé faveur, a demandé grâce et nous gagnons yon l'autre bord, OK, nous gagnons l'autre bord. Nous gagnons CARICOM, 2% lè, CARICOM content parce que j'en ai gioté attendu pour yon mener pays. C'est exactement dans Kachouboumbe ça, c'est exactement pays. C'est là dans le pays à plonger. Et nous, ouais, en bas dans l'image, nous, ouais, comment nèg examen yo même, comment yo après du pays à feu à cendre. Et n'a gardé en bas dans caricature là, parti ça li important, pour monter le pour nous, ouais. Et n'a gardé Josman, n'a gardé et kaye qui boule, kaye qui krasé, machine qui boule, etc., etc. Et puis n'a gardé nèg examen yo qui yo même, yo a festoyé. Donc c'est comme ça situation paysan li a décrit dans moment là. C'est comme ça crise politique là, c'est comme ça crise pluridimensionnelle là. Et question insécurité, question politique, question grand goût, question misère, question chômage. Donc tout problème yo résumé dans image, yo résumé dans caricature ça. Donc li clair que paysan dans moment nous gen plusieurs pile problème. N'a traversé. Donc, fuck, nouveau premier ministre, fuck lui montrer li à la hauteur, fuck lui montrer li gen zépaule, fuck lui montrer tout, li prêt pour résoudre problème qui gen là. Hier, Alix Didier Fizeme li installé conseil présidentiel transition, hein? Et nous gen Leslie Voltaire qui te fait, discours de circonstance. Mais nous gagnons là, nous gagnons Vertilaire qui publie et position li et par rapport avec nouvelle installation ça.
Gen yon bagay ki vraiment attire attention nan intervention Vertilier fè an. Sa prouve a clair que nan zafè politik pa bon ici. Tout nèg se zafè pa yo y ap regle. An nou gade ensemble ki sa ki di. Le 28 mai 2024, le CPT par consensus de 8-9 a désigné Garry Conille comme premier ministre pour conduire la transition. 6 mois plus tard, en raison de son insubordination et de son comportement politique volcanique, la même majorité a rapporté l'arrêté de sa nomination par une résolution suivie d'un nouvel arrêté présidentiel. Didier Alix Fizeme, arrivé en deuxième position lors du vote du 28 mai, a été nommé pour le remplacer. Je formule mes vœux de succès au premier ministre officiellement installé ce lundi 11 novembre 2024. Que l'esprit d'unité et de loyauté guide ses actions pour le succès de la transition, notamment par le rétablissement de la sécurité et l'organisation d'élections libres, démocratiques et consensuelles. Là, nous gagnons position et nous gagnons souhait, nous gagnons mot qui est adressé à nouveau premier ministre et c'est Emmanuel Vertilier, représentant Petite Dessalines, qui lui-même l'y poste. Il y a plusieurs bagages qui attirent dans texte là que Emmanuel Vertilier, un conseiller président qui est impliqué dans le scandale BNZA, il fait. Et l'on a fait politique, chaque bagaille yon gen sens yon, chaque mot gen sens si, chaque sa on moun di, li genye façon ou ka interprète l. Moi même personnellement mrete kwe, se pi gwo gaf. Avec nouvelle nomination sa, ti bout papier sa nou we Vertilier publié la, se pi gwo gaf politique que Vertilier te ka fè bon. Vertilier, c'est moi Jean-Charles qui traîne sous scène politique là. Vertilier pas un homme politique vraiment. Vertilier côté té il t'a pris les bagages dans tribunal. C'est moi Jean-Charles qui fourel la politique. On nous garder ensemble avec moi dernier. Bon, OK, n'a commencé en l'air. Côté parti, côté que Vertilier dit 6 mois plus tard, 28 mai 2024, CPTA, yo désigné Garry Conille 6 mois plus tard. En raison de insubordination Garry Conille avec comportement politique volcanique li, même majorité a yo rapporté arrêté que nommé là, yo révoqué Garry Conille. Yo nommé un nouveau premier ministre. Là la fini dans souhait la bay Alix Didier Fizeme yo, eh bien Vertilier dit que l'esprit d'unité et de loyauté guide ses actions pour le succès de la transition. Parti sa m gen problème avec en pile et ou même ka fè politique ou même ki comprend sens moyo ou même ki ap chèche analyse, k'ap chèche sa k pa di les non di nan déclaration Vertilier yo gon gren bagay pou comprendre que l'esprit d'unité et de loyauté guide ses actions pour le succès de la transition notamment par le rétablissement de la sécurité et l'organisation d'élections tel bagay. L'esprit d'unité et de loyauté envers qui est-ce? Loyauté a c'est envers qui est-ce? Loyauté a c'est par rapport à qui ça? Et moi-même là green mot ça, mot loyauté ça Emmanuel Vertilier li mette dans texte, il ba m'en pile problème. C'est comme si yo met un nouveau premier ministre, yo mande nouveau premier ministre pour rete loyal ak CPTA. Garry Conille pat loyal, Garry Conille yo gen près de 2 mois a mande loue manimal pa jom fèl, Garry Conille pat loyal, mais sa krive Garry Conille. Et yo tout voyon pinga, yo mande loyauté. Est-ce que nous songe, m'te passe après élection États-Unis, Kamala Harris qui perdu dans discours Kamala Harris te dit, yon bagay ki extrêmement important. Li pa doué loyauté avec le président, li doué loyauté avec pays. Li doué loyauté avec constitution pays, li doué loyauté avec Dieu l'a servir. Là véritablement, li clair que Emmanuel Vertilier qui a adressé là avec Alix Didier Fizeme, l'a parlé lui-même que l'esprit d'unité, unité était unie avec qui est avec
CPT1, Garikoni te divisé avec CPT1, rete loyal avec CPT1, que action yo guide succès transition, notamment pour établir sécurité, organiser élection dans le pays. Là, son pingal, tout voye bayi, Alex Jeffizeme, ça que te passe Garikoni, soupons au Kavin fait, même j'ai Garikoni ou bien pire que Garikoni, mais ça qu'arrive. Donc, moi-même, je dis nous, très certainement, transition sous deux premiers ministres et Alexis Defizeme, j'aime bagay lan sou route pour le déclencher là, li pap dernier premier ministre que transition a konnen. Malheureusement, pas ça n'ta souhaité non, mais j'en ou nèg yo pralé là, Alexis Defizeme, le pap dernier et premier ministre que transition véritablement a konnen. Et gon l'autre point qui est extrêmement important. Gon l'autre point qui est extrêmement important parce que nous gen pile bagay pour nous wè et jodi an émission. Nous gagnons hier, nous gagnons Alexis Defizeme qui lui-même lui fait discours. Dans discours Alexis Defizeme, Alexis Defizeme, nous c'est un monde qui montre les direct, c'est un monde qui montre les droite dans sa diyo et les clair dans sa diyo, etc. etc. Il y a pile émotion qui traverse Alexis Defizeme et PM nan même font ti crier, yo a dit PM nan sié de l'eau nan jo, sié de l'eau nan jo, sié de l'eau nan jo. Comment patriotiser frère chum? Avant nous passer dans discours Alexis Defizeme, on attendait discours là parce que et gon l'autre vidéo m'pote pour qui extrêmement important et nous pral attendre discours là ensemble, nous pral retendre, nous pral analyser les après et ti bonus m'pote pour ou ap content ou elle. OK, on nous attendé qui ça le DJ Fizeme lui-même li tap dit. Lance monsieur le président du conseil présidentiel, madame, messieurs les membres du conseil présidentiel de transition, mesdames, messieurs les membres du gouvernement sortant, mesdames, messieurs les grands commis de l'État, Madame la représentante du secrétaire général des Nations Unies, Madame, Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le commandant des forces armées d'Haïti, Monsieur le directeur général de la police nationale d'Haïti, Monsieur le représentant des forces multinationales, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse parlée, écrite et télévisée, distingués invités, mesdames, messieurs, peuple haïtien, je voudrais adresser tout d'abord mes propos de remerciement au conseiller présidentiel qui, dans cette conjoncture difficile de la vie nationale, m'ont désigné comme premier ministre pour diriger l'équipe gouvernementale. Mesdames, messieurs, les conseillers présidents, je vous assure que j'ai conscience que mon plus grand devoir sera de me hisser à la dimension de cette haute fonction dans un contexte singulier et exceptionnel. Je me montrerai digne de la confiance que vous avez placée en moi. Okay. Je prends l'engagement devant vous, membres du Conseil présidentiel, et par-devant la nation tout entière, de mettre mon énergie, mes compétences et mon patriotisme éprouvé au service de la cause nationale dont le sauvetage est le défi. Mesdames, Messieurs, nous sommes dans une transition à grand chantier. Bien entendu, le premier chantier incontournable et qui conditionne la réussite de la transition est le rétablissement de la sécurité. Sécurité. Sécurité des personnes, sécurité des biens et infrastructures, sécurité alimentaire et liberté de circulation sur tout le territoire national. OK. Dans ce sens, moi j'ai une pensée spéciale pour toute victime mauvais acte, bandit qui continue à simer tristesse avec des dans mitan population. Une population qui est victime
deux fois. Prends son pire. Sac mouri en bas, balle criminel. Sac blessé. Femme, jeune fille, qui a violé et puis qui est obligé de quitter Kayo. Là, il n'y a pas boulé. Nous pas qu'à faire main jeune sous maman petite qui courit, qui était tout ça construit pendant toute la vie. Yo mettait toute force, courage yo de yo, et même l'école yo pas qu'à voir petite aujourd'hui. Ça qui passe dans le pays, ya, spécialement dans Solino, Kafoufei, Akaye, dans Ponsonde, à Clester, à tout reste pays, ya, pas acceptable. Mise en place Conseil national défense et sécurité et permettre nous joindre bon gens et stratégie cap impliquer toute force sécurité PIA en collaboration avec force multinationale là. C'est comme ça n'a bail une réponse globale à insécurité. N'a rappelé tout haïtien à la one bade femme tant que garçon moun an dan takou moun deyo a moun ki nan business quel petit quel gros travail gouvernement c'est organiser élection qui pas contesté faut tout moun pote kole politique d'addition nous tout c'est haïtien c'est nous tout qui pou mettre main ensemble m'pa nan clivage politique m'pa nan moun an haut m'pa nan moun an bas tout moun a mette main et tout le monde a pris responsabilité dans le pays. Moi-même, c'est dans le chantier ça a gagné. Ok. C'est ensemble, on a privé le pays, autorité qui a légitimité pour prendre décision. Situation malouk, mais en rien, pas impossible. C'est pour ça, m'a lancé un cri rassemblement pour nous coller les épaules, pour succès, car pour tout le monde dans le pays. Faut nous continuer à gagner la foi dans le pays d'Haïti. Ce n'est pas le moment pour nous désespérer. Courage, PM. PM n'a crié avant lui-même. Courage, PM. Courage. La carrosse. Dette. Courage, PM. Gouvernement qui m'a dit pour me diriger. Bergen envers population, c'est sécurité avec élection. M'a répété, si vous dette gouvernement Bergen pour me diriger, c'est bral sécurité, élection. Il est crucial de rappeler que la mission première de tout pouvoir de transition est d'organiser les élections afin de doter le pays d'autorités politiques légales et légitimes. Mon gouvernement s'engage à garder tout ce qui a été bien fait et améliorer ce qui le mérite. En ce sens, nous devons doter toutes les institutions étatiques appelées à concourir au rétablissement de la sécurité et l'organisation des élections de tous les moyens et de toutes les ressources indispensables à l'accomplissement de leur mission. Aujourd'hui, la croissance négative se renouvelle indéfiniment à cause de nombres incalculables d'entreprises obligées de fermer leurs portes ou de fonctionner au ralenti. La relance économique est au rang de nos urgences. Les secteurs créateurs de travail dans l'agriculture, le commerce, l'industrie ou les infrastructures doivent trouver soutien actif de l'État. Je m'y efforcerai. Pour y arriver, la sécurité s'avère indispensable. L'accord du 3 avril sera mon guide. Conformément aux prescrits de la Constitution, je m'engage à travailler sans relâche pour l'harmonisation des deux branches de l'exécutif en vue d'une cohésion qui garantira la sécurité vers le chemin des élections. Mon gouvernement aura pour boussole la transparence et la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques. Nous travaillerons à la cohésion sociale
condition nécessaire au rétablissement de l'État et à la réalisation d'élections inclusives, transparentes et démocratiques. Telle sera la démarche qui dotera l'État d'autorité constitutionnelle et légitime. J'insiste et je prends l'engagement solennel d'additionner toutes les forces vives de la nation et toutes les classes sociales afin que nous puissions ensemble gagner le pari, remettre notre cher Haïti dans le concert des grandes démocraties. À cet effet, j'appelle tous les fonctionnaires et agents publics, qu'ils soient civils, policiers et militaires, à me fournir leur plein support en ces moments difficiles. La réussite ne peut être que collective. Je compte sur l'engagement et l'implication de tous et de chacun. Enfin, j'invite nos amis et partenaires de la communauté internationale à supporter les appels du Conseil présidentiel et du gouvernement pour une coopération efficace tenant davantage compte de l'urgence sécuritaire et humanitaire. Le peuple haïtien mérite paix, stabilité et développement durable. Chay la lou, en nous mettez main. En coule les épaules pour yon lot Haïti. Merci. Voilà. Voilà, et nous sautons de là, ça c'est discours Alix Didier Fizeme, lui-même l'a fait. Donc là, l'a salué conseiller président yo, après discours li. Il y a deux bagailles qui sont fondamentales dans discours li. Premier bagaille là, c'est que Alix Didier Fizeme promet cohésion qu'ap gagner entre primature avec CPT. Deuxième bagaille là, Alix Didier Fizeme li promet sécurité pour mener pays dans élection. Mais quand pile moun ki focus sou ti crier et Didier fait courage PM etc etc. Mais faut moi di nou nan histoire pays, nous Alix Didier Fizeme le crier avant. Il crier avant pour ça l'ouel gèl pral fè. Li crier avant m'gen impression pour Jean te soif pour vin PM za finalement rêve li réaliser. Mais est-ce que c'est pour situation pays? Parce que monsieur les gars ikoni devini gars ikoni descend Sean Moss gars ikoni vraiment li a battu pour Jean Louwe nèg yo te crasé et pays après février après pendant mois février après 7 février j'ai été crasé paysan et puis tout qui est Ariel dehors gars ikoni te a battu le labdou j'aime te quitter Haïti l'aime te dans faculté de médecine mais côté m'te qu'on a acheté manger pour manger mais côté m'te qu'on promener mais côté m'te qu'on a étudier oh y a crasé bibliothèque nationale oh y a metté du feu oh et comme ça gars ikoni t'a réagi oui. Nous te comprenons que Gary Koni li wè problèm yo, Gary Koni li pèse problèm yo, balance problèm yo, li pral pote solution. En 6 mois Gary Koni, 6 mois Gary Koni gèt fè nan primature, et il te continue à mande peyi a, mande pèpl a, mande moun k'ap soufri nan chèr yo pran patience. Heureusement Gary Koni li pa kriye dès le début. Nous par contre s'il kriye après pour humiliation CPT à Bali pour Jean Lavalas kase ren li, kase dan li. Mais monsieur ça a vini depuis le commencement tout vient crier. OK? Il vini et pleurant qu'il est, vous comprenez, il vini l'a crier. Mais dans histoire pays nous sous Jovenel Moïse là nous gon cumul, nous gon liste PM qui crier. Prend joute, tombé dans la pain, atterri dans Claude Joseph. PM yo te crier, mais PM ça ou te crier après. Yo te crier après, c'est pas parce que yo pas de cadeau, yo aller avec le sentiment du devoir accompli quand même. Yo allé après parce que yo perdi privilège à job parce que yo pas réglé rien tout. On comprend. On nous al gade ensemble avec moi. On nous font ti tourner dans l'ISPM qui t'a crié. Ça grave. L'ISPM yo t'a crié parce que les app qui t'a fonctionné, yo t'a gon regret, yo t'a regret yo pas t'a fait assez pour pays. On nous al gade. Oui. Je t'ai crié.
et je pleura. Et pas Jésus pleura, non? Je pleura. Je crois dans des valeurs. Ici à ce ministère, ils m'ont reçu comme un enfant. Ils m'ont allaité. Ça est la paix. À toute liberté d'esprit et de conviction, des serfs de mon pays. Aujourd'hui, le moment est venu pour dire adieu à la fonction publique. Que l'État m'accordera ce qui me revient de toi. Ah oui, mes amis, bagay yo grave, bagay yo compliqué. Comment ça fait? Permis yo crié, il a quitté poste yo. Gari koni m'gen presyon pa vini, gari koni pat vle nou gen vidéo crié. Gari koni gen pat vle nou gen vidéo crié, tout pa vini. Mais nèg yo crié on gens, c'est comme si yo pat fè assez. Ki sa yo pa? Yo pat volé assez. Mwen ba ki sa yo te fè non. Jout passé Matisse bloqué net, policier mouri, yo pa arrivé pour cadavre policier au problème de bon. Ba pou ki sa jout te crié. Bon lapin li même, nous gen lapin là même lapin. Lapin éclaté en sanglot. Ouais. Même président Jovenel à l'époque font tirer parce yo va comprendre. Yo va comprendre comment nèg yo fait bluffer yo met dame comme ça. Hey, va yo pile. Haïtien fresh homme, nous attendé nouveau premier ministre, hein? Premier ministre Fizeme qui lui même li parler, OK? Nous gagnons Gary Koni qui a adressé félicitations by nouveau PM non et il y a pile monde qui t'attend pour voir est-ce que Gary Koni t'a venir participer dans l'investiture là et bien Gary Koni il pas mettre pied mais n'empêche que Gary Koni il a adressé félicitations quand même. Voilà, je prends acte de la nomination de citoyen Didier Fizeme, c'est comme ça le relais sous ex, en tant que premier ministre de la République d'Haïti, et lui adresse mes vœux de réussite dans l'accomplissement de cette mission. Dans ce moment crucial, l'unité et la solidarité sont essentielles pour notre pays. Vive Haïti! Comment ont ils dérangé? Moi, parce que le premier ministre a fini d'installer et les Sagari Koniam dit je prends acte de la nomination. Il va seulement nommer, l'installer, c'est PM Nierounia. Ou remettre clé primature, pas faire coquille. Bah, yon gen sosyon, m'di nou sa, moi yon gen sosyon. Je prends acte de la nomination. C'est pas nomination, le arrêté a été sorti, il était nommé, bon, kounya li installé, son premier ministre confirmé. Li officiel. Donc, li présente li des vœux de réussite dans l'accomplissement mission li. Li espère que li a prêté uni, l'ap solidaire, et pour le kabay bon jan résultat par rapport avec la situation paysan. Et difficile dans moment. Faut moi dit nous à peine Alex Didier Fizeme monté, li déjà là à confronter avec tit tac politique également. OK, il a taclé, il a tapé en même temps. Nous gagnons et ancien premier ministre Claude Joseph qui gagne représentant dans CPTA qui c'est Smith Augustin qui est impliqué dans scandale corruption BNZA. Et bien matin là Claude Joseph bail Alex Didier Fizeme un devoir pour le faire. OK, il y a gros attente. Et déjà moi nèg a cherché piéger nouveau premier ministre. S'il prend dans courant nèg yo, li foutu. On nous attendait ensemble avec moi qui ça Claude Joseph li mandé pour Alex Didier Fizeme pour le faire. On allait. Premier ministre Gary Koni qui gagne tout problème évidemment, qui a un bilan qui laissait à désirer, qui ont un comportement qui laissait à désirer, qui comprennent des nécessités pour gagner un autre regard sur la transition, mais ils ont révoqué les de la loi. Ça veut dire pas gagner provision pour le conseil présidentiel là, lui-même est révoqué. Un premier ministre, il a parlé de Gary Koni lui-même. Ou pas qu'à révoquer un premier ministre si ce n'est pas un organe de contrôle de l'action gouvernementale qui documentait et présentait présomption grave
corruption dûment constatée ou bien déficit de gouvernance, lui présenter à conseil présidentiel là qui mettait fin à fonction président et gouvernement ou bien premier ministre là, les premiers ministres présenter démission gouvernement là. Donc ça que fait là son bagage gros point qui fait là c'est bien dire gros point à Port-au-Prince là faut nous reler comme ça et nous mal parti nous très très mal parti donc et moi ouais et tout le monde c'est incertitude son l'autre chapitre d'incertitude qui l'ouvre là dans la transition donc pas gain monde qui connaît côté ça va aller mais en attendant on gagne trois inculpés qui tombaient sur le coup de l'article 2 du décret du 29 mai 2024 qui dit si ou c'est ou inculpé si ou accusé ou bien poursuivi pénalement ou pas capable dans conseil là c'est ça que fait nous même dans aider nous connaît clair nous pas gagner représentant en dans conseil présidentiel non mais sous partie ça parce que c'est déjà parti dans pour dans bon ensemble avec ou mais nous était dans un changement qui fait dans gouvernement Claude Joseph est-ce que tout façon prématuré t'as confronté à la personne de docteur Gary Conné, il t'a prêté le flanc pour que ce petit a dit bon, hey, écoutez, c'est nous qui président et nous avons prérogative et présidentielle, mais ça constitue de nous. Mais comment primature a comporté, nous parlons des gens qui ont comporté là, ils pas comporté bien. Faut nous prendre une décision contre lui. Est-ce que quand tu figures ça, ça paraît plausible pour vous par rapport à comportement? Et il a dit Gary Conné qui a gagné face à CPTA qui était frôlé, même dit irrespect par rapport à CPTA. Bon, évidemment, moi pense que Gary Conné a gagné un comportement à la limite très arrogant, condescendant par rapport aux autres, mais par rapport également au conseiller présidentiel. Gary Conné, moi pensais que il véritablement pas comprendre qui ça rentrer là et maintenant il faut nous d'accord tout que gagner un seul de conseil présidentiel qui pas mérité respect et qui doit traiter avec condescendance par exemple lors c'est monde qui a demandé pour yo demander 100 millions goud si c'est vrai pour aucun bon président dans tête en banque. Donc, on pourrait ministre prendre tôt avec tout respect. À souhaiter d'ailleurs, le peuple a prendre tôt à respect aux besoins. On pas supposé même dans un conseil là. C'est-à-dire, on est qui inculpé pas qu'à un conseil là. Donc, on va commander toute bagaille ensemble. On va jouer toute bagaille. Voilà. Donc, moi, je pense évidemment, et M. Gary Conné, tout le monde connaît désaccord public avec M. Gary Conné. Les m'a défendre en principe m'a défendre un monde yo sauver les limoges révoquer remplacer donc il fait derrière de la loi donc on d'accord ça jodi a et il fait dans contexte bien et particulier c'est non scandale corruption côté gagné trois conseillers qui inculpés dans bataille gagné en plus de comportement condescendant Gary par rapport avec conseil là mais les prend position quand même demander pour conseil ça prend trancher sous cas toi monsieur yo Jean la loi mandil d'accord donc je dis c'est ça qui arrive là la corruption a gagné maintenant qu'on y a maintenant qu'on y a faut nous mettre nous d'accord oui pour combien de temps parce que le secteur yo aidé pas pour croiser bois pour quitter trois inculpés à bambiler en dans au conseil présidentiel avec capacité faire remaniement ministériel capacité changer directeur général etc. Non pas le camper face à ça pour nous regarder et si on monde pense aider pour le camper face à ça c'est bien compté mal calculé c'est pas dans le tempérament nous pas quitter ça fait comme ça maintenant on y a comme si ça comme c'est coup d'état comme c'est coup d'État, monsieur Affaire, comme c'est gros poignet, donc il n'y a pas nos dynamique démocratique, mais nous-mêmes, nous pas pral rete face à une situation comme ça, pour nous regarder. Moi, je pensais que le peuple haïtien, hein, pour pas rete comme ça, comme si... Qui s'est fouillé, peuple là? Non, causé 100 millions...
On fait un petit campé là. Dans qui ça Claude Joseph a fourré peuple là? Le Claude Joseph t'a marre saucisse li a Caricom, ak Moïse Jean-Charles, ak Lavalas, a Comontana pour te mettre campé et conseil présidentiel yo pour te mettre campé affaire. Peuple là t'es au courant? Peuple là t'es au courant? Te mande peuple là aval, yo te mande peuple là approbation, bénédiction. On quand là ça peuple là est dans la rue, il t'a manifesté, il t'a dit ba yo Guy Philippe. Là ça yo te bouché oreille yo oui. Claude Joseph, à un certain moment de la durée, il était dans même des machins dans la rue à faire manifestation dans des Gwenariel, oui. Quand il y a pendant peuple là, t'es dans la rue à dire bah Guy Philippe, Claude dit ah moi-même pas dans question Guy Philippe là, bon faut coup de guidon Caricom. Ouais la Caricom ou pon CPT ou quand il y a CPT à coquer dans gorge ou Smith Auguste coquer dans gorge ou mon ou te royal représenter parti ou kou n'y a bagay la mal passé, nous pas gen contrôle sous Smith Auguste, kou n'y a parlé de pep. Nous pas acheter militant 1000 gouttes, 500 gouttes pour mettre dans la rue, mais pep. Qui pep? Espère nous donner ti monsieur. Goud, c'est yo qui pral fait la loi en dans pays. Donc, la nèg yo à l'aise, papa. C'est le peuple haïtien. D'accord? Donc, nous même, dans parti politique, on paquet l'autre secteur encore que n'a pas là avec yo. Et ça, il n'y a pas gagné vide longue. Voilà. Mais là, comment vous bon, vous n'avez pas gagné boule cristal dans le monde, certainement, pas gagné un peu de monde qui gagne, ou pas gagné de monde qui gagne du tout. Et dans le contexte, ça, comment vous le gouvernement et Alexis Defizemi a capable de travailler et fonctionner? Écoutez, c'est vrai, Didier. Monsieur Fizeme rentré là dans un contexte difficile. Lui remplacer un premier ministre qui aurait évoqué de la loi. Mais premier ministre, il a gagné un problème. Moi, j'espère que d'abord Didier Fizeme le son, yo, sac bon, yo le prend, yo. Lui avance avec eux, sac mauvais, yo, lui rejeté. Donc, c'est des peuples collaborer avec nous? C'est des peuples collaborer avec nous? Nous-mêmes, dans le parti politique, aide nous clair. Dis-moi. Nous avons gagné. Non, clair et cohérent. Nous jouons un rôle d'avant-garde dans la question ça. Nous avons prêté là-dedans. Nous avons gagné un ministre de défense. Nous avons écrit le Bundil Pachita à trois conseillers. Nous avons conseillé des ministres de Pachita avec nous. Nous avons demandé le bout de démissionner. Il n'y a pas à sortir de là. Donc nous-mêmes, si la prêté, mais nous-mêmes, ministre pas nous, en d'un conseil là, pas à toi, inculpé, parce que nous-mêmes, yo pas nan application la loi, yo tombé sur le coup de l'article 2, yo pas gain présence sur un d'un conseil là. Donc ça, c'est clair, nous-mêmes, nous pas gagné. C'est pas négociable. Passer sous côté sous ça. Maintenant, est-ce que nous pouvons collaborer avec Didier Fizeme? Évidemment, oui, dans la mesure où il gagne une position ferme par rapport à toi inculpé. S'il pas gagné, je trouve que c'est toi entre guillemets inculpé ça ou parler de nommer le deux. Exactement. Non, dis-le. Là nous non véritable dilemme. Claude connaît de qui ça la parler à très bien. C'est toi conseiller qui nommer. Quand nous dit pour chita avec lui, faut qu'il prenne une décision claire sur trois conseillers qui signent, qui mettent le gouvernement pour le proposition qui ça. Pour le proposition, pour le révoquer, pour le demander, aller même Jacques Garikoni. Et c'est ça qui fait tout intérêt, le noir analyser les bagailles en profondeur. Oui, c'est ça qui fait tout intérêt métier, oui, tout intérêt science, oui. Parce que n'est-ce pas ces politiciens, c'est comme ça, on y parle ou bien on y prend décision et fait des magos, je vais m'accaparer. Non. Non intervention dans texte que Emmanuel Antillier a publié a l'on parlait de respecter esprit d'unité et de loyauté à l'éclair. L'éclair c'est même CPT ça que t'es nommé Garikoni, bon pour qu'on ait scandale Garikoni il besoin vient attaquer CPT a pour le craser, mais ça qui veut Garikoni nous même en connaissance de cause nous choisir nous nommer ou gen loyauté ou gen pou loyal, kon anver ki yon sop loyal, se pingaza yo voye bayi Alex Didier Fizeme, oui, se pingaza yo voye bali. Le Emmanuel Antillier li ekri sa l'ekri an, se nan optik sa.
Donc, on y a, mais Claude Joseph, sur le côté de Soti, il vient piéger PM nan, pour PM nan prendre disposition. Oui, joue après le mauvais, oui. Joue après le mauvais pour PM nan prendre disposition contre trois mouns qui nommel. Là, yon tap nommel nan, PM nan pas te connaître, yon te inculpé. Et pour le dire, il parle de job là, sinon. En avance. Non, non, dilemme. Gros dilemme. Non, c'est un problème. Mm-hmm. Mais, comme. Pour qu'on ait problème. Il y a des mécanismes pour retirer. Pour nous avons des de la loi totalement. Parce que, excusez-moi, quand il y a des mécanismes pour remplacer, limoger, révoquer et M. Gary Conille, c'est au cas là que tu es supposé permettre de faire ça. Parce que son modèle qui copie à sorte capable de copier sous son relais, ça n'a rien. Une espèce de régime parlementaire moniste côté. Gouvernement, c'est devant Parlement, seulement responsable, pas devant président. Aujourd'hui, ça qui fait là, c'est comme si c'est un modèle parlementaire dualiste, côté à la fois gouvernement responsable devant Parlement, le responsable devant président, tout, n'est pas possible. Donc, ça qui fait là, il fait en dehors de la loi. Par conséquent, ou pas dans la loi du tout, eh bien, aujourd'hui, c'est dans la même optique ça pour remplacer toi, monsieur, moi-même. On entend des gens qui dit pas une procédure pour remplacer un inculpé qui tombait sur le coup de l'article 2. On blague. Pas une procédure pour remplacer M. Gary Conille, mais au fait. Donc, on pense que c'est dans la même logique ça pour nous aller. Donc, le mécanisme, tout le bagage est violé. Donc, toi, M. Zayo, vous pas arrêté. Donc, il faut gagner des dispositions pour retirer. Là, nous faisons un petit capé, Claude. Ils font une approche qui discutable. Il faut une approche qui discutable parce que sinon accord 3 avril là pas de bon mécanisme pour yo révoquer un premier ministre comme si pour conseiller yo même révoquer un premier ministre c'est au cag qui t'a supposé faire li qui t'a supposé bailler approbation li etc. Ça veut dire yo violer accord 3 avril là même accord de principe qui crée ZPT a violé li. Bon, nous connaît qui est sûr déjà. Donc Claude proposé sous même bazar que reste membre ZPT yo qui yo même yo pas dans scandale, yo pas impliqué dans scandale là, et bien pour reste 6 moun qui rete yo pour yo prendre disposition pour yo écarter 3 l'autre yo sous base yo résolution. Donc kounye a, est-ce que c'est faisable l'heure ou joine? Tendez oui, est-ce que c'est faisable non contexte politique côté que structure politique qui vle vin voye moun pa yo, yo déjà perdu contrôle moun ki la yo. Ça vle di contrôle moun ki la yo perdu yon li na avantage Leslie Voltaire nan moment, parce que si aide te gen contrôle Smith Augustin, gon décision Leslie Voltaire te ka pren et puis aide red compromis historique di non. M'pa monte, m'pa fè out sa avec Lavalas, et si yo pral fè vote, vote kont, vote non. Même Jean pour accord 21 décembre, même Jean pour petite Dessaline, et puis sortant de là, gen un ensemble de décisions qu'a prend qui pral paralyser pas bon côté la valasse. Kounya, étant donné que présence nèg sa yo qui inculpé, qui dans scandale là, li profitable, li favorable avec Leslie Voltaire, parce que sous non se pété a faut utile li, parce que sous pas utile li, l'a chouté boudon quand même. Excusez-moi. Sou pas utile, si gen des décisions, des projets, des bagay que le pral pran, vote ou a qui important ou pas bal vote là, et bien place ou pas là. Et jou même trois membres inculpé sa yo, qui yo même, yo ta décide pour une position qui contraire avec Leslie Voltaire, ou bien qui ta contraire avec Fritz Alphonse Jean, yo a perdu poste en dedans CPTA, fait tout ça yo konnen pour yo révoquer yo, pour yo remplacer yo, pour yo voye yo aller, pour yo remplacer yo par l'autre. Moun nan structure politique qui te mette yo a. Donc, oui, c'est vrai, proposition Claude Joseph la, li gen sens li, li discutable, mais qui a venir le Steve Voltaire s'il fait le kounye a? Li dit tête li s'il fait le kounye a, s'il tend de voir la raison que l'autre structure politique yo a dit change, et puis la change, et puis trois nouveaux moun sa yo qui vini a, yo pa nan intérêt, yo pa nan avantage, li mêlé, c'est comme s'il tire un balle dans pied encore. Et non. Si tu as un changement qui pour faire comme si nous voulons pas faire sous Leslie Voltaire là. Si tu as au final pour tu as décidé pour changer lui, connaissant la valasse,
Faut que bagay la ta vraiment grave pour yo ta changer. Mais là, trois conseillers présidents sa yo, yo rangé causé l'Estie Voltaire, yo fait l'affaire de Lavalas, yo ka vin ak tout l'autre moyen, tout l'autre proposition yo pa changer. On avance. Mais, il n'empêche que proposition et Claude Joseph li fait, proposition li très discutable. Tout à l'heure, on te dit que aider, notamment avec c'était secteur tout, pas prêter comme ça à Bois-Croise et puis après, a dit, comme M. Sayo, dans CPTA, mais je trouve que, à part de petite Dessaline, nous partons des comme secteur qui gagne mon lien dans CPTA qui te prend distance par rapport à Vertilaire et Emmanuel Vertilaire. Bon côté pour ou t'es qu'étant aidé, t'es qu'étant fait gros démarche, même désigné mon voie by CARICOM. 21 décembre par divisé là, il n'y a pas capable de retirer Luis Gerardil. Et ça, c'est que tu es capable de faire là. Parce que déjà, depuis que tu es arrivé dans CBTA, M. Sayo, il y a tout secteur qui est bon bois long. Ça, voilà. Ça, là. Bon, interlocuteur, et vis-à-vis, de la communauté internationale, je sais, c'est pas nécessairement M. Yo connaît. M. Yo a un pouvoir. Bon, question de rapport de force. Mais c'est secteur yo, yo connaît. Et moi, je pense que ça qui a pris un tableau le bras. Mais de toute façon, voilà. Ça devait être là, bah, ça marche. Et j'en lié là, là, prends ta boule brun. Moun qui connaît bataille, moun qui connaît, et t'as capable de dire qui est impatient, ça fait la prends ta boule brun. Mais ça qui là, lui, désormais, pas arrêter. Maintenant, s'agissant de. Pas de temps pour nous, Dr. Joseph. Pas de temps pour nous passer là. Non, mais écoutez, c'est de conseiller présidentiel qui a baillé tête au pouvoir. Pas vrai, il y a baillé tête en pile pouvoir. Donc, il faut prolonger mandat. Il faut baillé tête au pouvoir pour prolonger mandat. Pas de doute, c'est là où aller. D'accord? Okay. Parce que de toute façon, avec si chance à aller là, il n'y a pas de possibilité qui gagne pour nous organiser l'élection et faire référendum constitutionnel, organiser l'élection et gagner des élus légitimes dans tête PIA à partir de 7 février 2026. Donc, il faut chercher, évidemment, malgré toute cette affaire-là, et prolonger le mandat. Pour vous, il y a un pile de temps, pour vous, il y a un pile de temps, M. Geoffroy. Il y a un pile de temps. Oui. Oui, même sous accord ici, il n'y a pas de problème que ça. Si bien comprendre, c'est via CARICOM nous parler là, et nous allons plaire, bah, CARICOM pour le dire, mais ça, monsieur, a fait. Si vous comprenez bien, et première action, nous allons pour le secteur t'a de poser, et notamment non. Aider. C'est là nous allons. Non, c'est concertation entre les secteurs, qui, jodi, a couru en bas bal bandi. M'bakwe gonzon ou yodia pour pas attendre à Falio. Donc, son situation est extrêmement difficile. Fin situation en dedans. Là, il dit, moi-même, moi, je pense que c'est la population haïtienne qui a prononcé avec, évidemment, et avant-gardiste au secteur qui a accompagné. Bon, évidemment, on travaille tout avec CARICOM, puisque on n'est pas capable d'ignorer ou de jouer. Pour accoucher ensemble avec acteurs haïtiens, même si formule là, c'est formule pas nous, mais acteurs haïtiens, transition ça, qui, je dis, y a le vote. Voilà, là nous attendons Claude Joseph. Et ancien premier ministre, Guy Ampil Barrel, il dit que je suis d'accord avec lui, et comme quoi transition, il y a le vote vrai. Et lui propose une formule pour ta changer 3 CP qui est impliqué dans le scandale BNZA. Oui, formule là est discutable mais il y a limite li tout. Donc il a cherché quelque part tout pour voir type au fig en bas pied nouveau premier ministre parce que mandé nouveau premier ministre pour prendre position par rapport avec 3 CP qui inculpé dans dossier BNZ. Non. Nouveau premier ministre a dit le gars pas monter sous terrain ça, pas parler parce que il a peine prend petit job là. Yo a peine remettre les clés primature. Gary Conley ton 6 mois avant de parler des bagages ça. Lui même qui t'elle fait titre là, ça le dit. Donc mais qui côté nous y a avec pays franchement et pour plus sérieux et situation pays en est vraiment compliqué, situation vraiment critique.
Nous pas espérer c'est là nèg yo mené Haïti. C'est là nèg yo traîner pays mais c'est là nous y malheureusement. C'est là nous y malheureusement et toute gens nous essayer, toute formule nous essayer garder est-ce que yo te ka appliquer? Est-ce que yo te ka développer en cohésion entre primature entre CPT pour yo résoudre crise et pas marcher à Gariconi et Gariconi et hier Valérie Numali fait un poste quand elle dit Gariconi était déclaré dans jour 8 novembre là il était rencontré avec les civilité avec CPT hein il était déclaré que nèg yo pas chef li OK yo pas chef li yo pas carré ça dans tête yo pour yo faire yo pas faire parce que yo pas chef li et finalement CPE t'a pral énervé remonter yo t'a pral prendre résolution sous même moment sous Jean Moun yo comme dit la bride sous cou yo prend résolution yo voyer l'aller yo révoquer Gariconi et on regarder matin là jeudi mardi hier y a installation Ali Didier Fizé, mais en fait, et matin, Gariconi Abdou, li prend acte de nomination au nouveau maire. Gariconi, dans l'esprit, li gèle toujours premier ministre. Vous comprenez, li toujours premier ministre, peut-être, dans la semaine, il a installé Didier. Mais si vous avez dit matin, on prend acte de nomination au premier ministre, vous comprenez, qui pas marché. Donc, nous avons plongé Haïti dans l'instabilité, dans la crise politique, vraiment, vraiment difficile. Et il y a un élément qui est fondamental, qui est crucial pour nous gagner sécurité dans le pays, faut nous avant tout gagner stabilité. Stabilité à ce qui ça kabaili. C'est moun qui gagne pouvoir dans mel, c'est moun qui gagne pouvoir de décision dans mel, c'est yo qui censé gagner responsabilité pour yo mettre sécurité, pour yo mettre stabilité, pour yo débloquer route. Pour yon récupérer territoire perdu, etc. Pour yon mettre un climat, au moins qu'on y a nous capable de les élections. Mais est-ce que là, mais année 2024 là presque fini, nous parlons de pile temps, 2025, est-ce que là véritablement nous sur route pour aller élection année 2026? Non. Élection pas bien en fait. Élection pas bien en fait pour 7 février 2026 pour un nouveau président. Gros l'autre constant fait qui est fondamental. Nous connaissons ça lié. Bon, me dit nous ça lié. Nous, Ramon Amil. Ramon Amil, s'il pas levé pied, Ramon Amil pral kon révocation. Et oui, il pral pran pou révocation. Parce que Gariconi ak Ramon Amil, yo te entendu yo très bien. Yo te entendu yo très bien, CSPN organisé, rencontre fête, etc. etc. Gariconi, il était plus nan fè en forme de propagande, mette casquette, mette ticket, puis PM ni nan tête li. On comprend, fait macaque, et puis moun ap tann sécurité, moun ap tann stabilité, moun ap tann pour yo récupérer kayo, ba yo pour yo tourner dans kayo pour mettre la paix. Ti mari pas monter, ti mari pas descendre. Pour son den, pap jam kabliel, puis gros massacre qui fait dans l'histoire pays là. Plus que 100 compatriotes nous perdu la ville, Gariconi, malgré ça, le pote ko jam comprendre, je sens la mande pour patience pour lui toujours. Avec nouveau PM, ça, moi même, question m'a gagné. Est-ce que Gary, est-ce que Ali Didier Fizé, mais est-ce que li pesé? Est-ce que li prend ampleur bagay? Est-ce que le pesé réalité? Est-ce que le comprend réalité? Parce que Vinivin dit que sécurité ou là pour mettre sécurité à faire élection, mais pour mettre sécurité, il y a un paquet de paramètres qui doit rentrer en ligne de compte. Comment le bras l'appréhender question de sécurité? Comment le bras avancer sur question de sécurité? Cause yon pile, oui. Question yon, puis lui. Nous gagnons les six Voltaire dans le bois Pali, qui lui-même, il était tout profité, voyez, un message. Il était tout profité, voyez, un message, clair ou clairose, by Alix Didier Fizé. Mais, dans le message, les six Voltaire adressé nouveau premier ministre, les six Voltaire, il est clair, sous position. Nous pas dans propagande, nous pas dans fait temps perdu. N'a évalué ou fait travail là. Bravo ou pas fait travail là tout. Ça qu'arrivé ou pas arrêté. Les six Voltaire li clair. On nous attendre ensemble avec moi qui sa message les six Voltaire là lui-même li teye. Chers collègues, monsieur le Premier ministre Alix Didier Fizé-Aimé, monsieur le président et les membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, mesdames et messieurs les membres du gouvernement,
Mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique et des organisations internationales, mesdames et messieurs les représentants des partis politiques et des organisations de la société civile, monsieur le commandant en chef des forces armées d'Haïti et son état-major, monsieur le commandant en chef de la mission de support à la sécurité en Haïti, monsieur le directeur général de la police nationale d'Haïti, chers amis de la presse, distingués invités, mes chers compatriotes. Plus de 6 mois se sont écoulés depuis que le Conseil présidentiel de transition a été installé dans ses fonctions, dans un contexte où l'État était menacé d'effondrement et les institutions presque totalement paralysées. Le processus qui avait abouti à cette présidence collégiale, mettant ensemble des personnalités venues d'horizons idéologiques et politiques divers, fut salué en Haïti comme à l'étranger comme l'une des expériences de tolérance et de consensus les plus intéressantes et les plus enrichissantes de l'histoire récente de la politique haïtienne. Porteur de ce grand désir, manifesté par les principales forces vives de la nation, d'arriver à conjuguer les efforts et les capacités afin de maîtriser et dépasser les grands problèmes auxquels fait face le pays, le Conseil présidentiel de transition a conscience de la grande responsabilité qui lui incombe de faire aboutir la transition avec des résultats concrets dans les 5 principaux chantiers définis dans l'accord du 3 avril 2024 pour une transition apaisée. Mes collègues et moi, nous nous sommes mis au travail avec un engagement patriotique à la hauteur des défis de la conjoncture et des attentes légitimes du peuple haïtien pour l'amélioration de ses conditions de vie. Nous avons fait choix et de notre mieux et nous nous engageons à poursuivre nos efforts jusqu'au terme de notre mission le 7 février 2026 pour maintenir cette cohésion et la sérénité dans la conduite des affaires de l'État. Nous sommes plus que jamais convaincus que les luttes politiques stériles, dominées par la satisfaction des intérêts de clans, ne font toujours qu'empirer la situation et prolonger la douleur et la souffrance de la population. L'heure est venue en Haïti de penser et de faire la politique autrement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les 9 membres du Conseil présidentiel avaient renoncé au choix d'un Premier ministre issu de leur famille politique. Nous avons nommé un Premier ministre et un gouvernement représentatif des différentes sensibilités politiques et sociales de la nation. Quelques mois après son installation, la nécessité s'est imposée d'apporter rapidement certaines corrections. Toujours dans le souci de garantir, dans l'intérêt commun, la pleine réussite de cette expérience démocratique et consensuelle. Pour le Conseil présidentiel de transition, il y a urgence d'agir vite, d'agir bien, dans le respect des lois de la République et dans le sens du renforcement des institutions républicaines. Nous pas arrêter un pile temps devant nous. C'est qu'il y a pour corriger ça que doit corriger, pour ne pas perdre transition ça. Nous avons opté pour des changements au niveau du gouvernement sur la base de l'expérience des derniers mois. Il n'y a pas eu que des difficultés et des obstacles. Nous avons franchi des étapes importantes avec le Premier ministre Kony et je salue son courage et sa détermination. Nous avons jeté des bases intéressantes qui permettront au nouveau Premier ministre d'avancer avec les chantiers de la transition. J'ai été personnellement attiré par les qualités et les compétences de plusieurs membres du gouvernement sortant. Je prends plaisir, encore une fois, à saluer leurs efforts et leurs contributions. Monsieur le Premier ministre fils-aimé, je veux avant toute chose vous féliciter pour avoir bénéficié de la confiance des membres du Conseil présidentiel de transition. Le choix porté sur vous pour poursuivre la conduite de l'action gouvernementale pendant cette période de transition, a été fait parmi plusieurs autres personnalités présentant des profils intéressants, tant par leur expérience des affaires de l'État que par leur honnêteté. Nous nous félicitons de ce que le pays dispose de tant de ressources disponibles et dévouées. C'est pour vous dire comment, dans cette haute fonction à laquelle vous êtes appelé, comme le souhaite le Conseil présidentiel de transition, vos actions doivent s'inscrire dans une démarche inclusive qui permettra au pays de profiter de cette grande richesse que constitue ce réservoir de ressources humaines.
Haïti, à ce carrefour, il ne faut jamais l'oublier, a besoin de tous ses enfants, des bons enfants. Les regards, Monsieur le Premier ministre, sont désormais portés sur vous. Étant donné que chaque changement à la tête du gouvernement produit un sursaut d'espérance, il faut dès maintenant considérer que le temps de grâce qui vous sera accordé sera réellement court. Point besoin de vous rappeler combien les attentes sont urgentes et nombreuses. Le temps n'est ni aux promesses, ni aux propagandes mensongères. Vous serez évalué par la population, je le prévois déjà, dans votre capacité à adresser méthodiquement et concrètement les problèmes quotidiens urgents des Haïtiens et des Haïtiennes. Cela demande de travailler étroitement avec le Conseil présidentiel de transition, avec les corps constitués de l'État, les organisations de la société civile, les syndicats, les organisations paysannes, les partis politiques, le secteur privé des affaires et la communauté internationale. Dans un climat de parfaite cordialité, de grande convivialité et de respect mutuel, pour constituer une équipe gouvernementale cohérente et consciente de ses responsabilités. Le Conseil présidentiel compte beaucoup sur vos capacités pour supporter ses efforts dans la recherche de la stabilité, de la paix sociale, en vue d'apaiser l'atmosphère pour la tenue d'élections crédibles et inclusives, indispensables au progrès économique et social du pays. Le Conseil électoral provisoire, installé il y a 3 semaines, a besoin de moyens suffisants pour commencer à fonctionner. Les conditions de sécurité doivent être établies sans délai pour la bonne organisation du référendum sur la réforme constitutionnelle et des élections d'ici la fin de l'année 2025. On ne peut pour aucune raison rater cette échéance. Monsieur le Premier ministre, vous allez malheureusement trouver une administration publique confrontée à certaines difficultés, des institutions techniquement déconcentrées, incontournables pour le fonctionnement de l'État, poursuivent une grève à laquelle il faudra trouver une solution. Nous devons trouver la formule susceptible de donner rapidement un nouvel élan à l'administration publique. Dans ce même contexte, il faut préciser comment il est plus qu'urgent de travailler ensemble pour, entre autres, la mise sur pied de l'organe de contrôle de l'action gouvernementale, OCAG, du Conseil national de sécurité, CNS, ainsi que la désignation de nouveaux directeurs généraux des organismes autonomes et des agents intérimaires à la tête de certaines municipalités. Nous avons la gestion des affaires de l'État à un moment où jamais auparavant l'administration n'avait enregistré de si grandes difficultés. Il faut rétablir la confiance dans nos institutions. Cela demande une grande transparence, l'amélioration substantielle de la qualité des services offerts, mais aussi l'envoi de signaux clairs quant à l'engagement du gouvernement à poursuivre la lutte contre la corruption et contre l'insécurité. La réussite de votre gouvernement passe par une administration publique forte, organisée et cohérente. Sur ce, Monsieur le Premier ministre, bon travail, bon succès, mais surtout mettez-vous à la hauteur des nombreuses attentes des 12 millions d'Haïtiens et d'Haïtiennes. Je vous remercie. Voilà, là nous attendons Leslie Voltaire dans le discours de circonstance. Et côté, li voye un message clair, voyons pinga. Et délai de grâce, délai d'évaluation, li pa long parce que urgence yo nous dans situation d'urgence, problème yo en pile. Donc Alix Djefizeme et j'aime de di li an, li gen pour faire face à gros défi, mais défi yo pral beaucoup plus grand si li pa vini véritablement pour résoudre problème pays, s'il pa vini comme si s'il pa gagne dans tête li yon plan bien défini. Si c'est cop nèg la vin fè, si c'est brasser vin brasser, si c'est avantage ak privilège vin jouy, nou nan mera, nou mêlé. OK, nou mêlé. Parce que jan situation est là, jan bagay yo pa être compliqué, faut que c'est konnen k fè. De pou pa konnen, pa proche. Et nan route transition sa a pralé là, et Alix Djefizeme, m pa kwè la dernier premier ministre,
M'dil, c'est pas ça m'ta souhaité. M'ta souhaité pour nous gon premier ministre qui vini, qui gen bon plan, bon formule. Vous comprenez pour nous pouwe et résultat pour moun la Tibonite qui a commencé à fonctionner, pour moun nan sud pays qui a commencé à rentrer Port-au-Prince, pour Port-au-Prince nan sud, Matisse débloqué, etc. Est-ce que ba y sa re nan tête mwen yo? Est-ce que ba y sa son film map monte nan tête mwen? Qui le sa privé fait? Donc, c'est problème ça pour nous poser. Compatriotes haïtiens frères chum, problème yo multiple, problème yo en pile. Et nous pas gen moun véritablement qui fait preuve de bonne volonté, de bonne foi pour résoudre situation. Tout moun son question de intérêt yo vinn gérer, son question de petit groupe, petit clan yo vinn gérer. Et pendant que population a payé ça avec sang yo, y a payé nan chair yo, nous pas qu'on jamais ka joindre solution, pour qu'on jamais ka arriver dans bout insécurité ya. Donc gen en pile question nous t'ai ka poser toujours. Mais n'a prêté là pour jodi an, n'a campé là. Et dans l'émission, rendez-vous le casser dans une autre vidéo de formation. Merci à vous-même qui t'a suivi nous. Restez connecté avec Chanel là. À très bientôt. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remé pays, et bien on agit. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial vous dit tout. Émission Mon Éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Sauf si le lundi pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, monsieur Chanel par là pour qu'il bien informé avec Yannick. Mon Éditorial. Nous bras la valet, nous bras le débat.